les petits loups. Je vous emmène au salon de l'auto de Lyon. Donc là, pour le moment, il n'y a que des hybrides, que des voitures électriques. Enfin, ça, c'est le début, c'est histoire de faire innover aux gens. Regardez, si vous allez dans ce hall, ce sera essentiellement l'électrique. En fait, ils vous préfèrent. Comme la dernière. Juste avant de rentrer, ils ont fait un joli petit tour, histoire de vous montrer les différentes hybrides qu'ils ont. Donc, il y a à peu près toutes les marques qui s'y mettent. Kia, Renault, PSA, MG, Honda, bon, en espérant que ça va tenir. Parce que le problème de l'électrique, c'est qu'il n'y a pas assez de centrales pour les faire fonctionner. Donc tout ce qui est immerde, c'est bien fait pour faire chier. Donc tous ceux qui sont au thermique, restez-y. On peut dire ce qu'on veut, mais l'électrique... suffit d'un petit peu d'eau salée et la voiture prend feu. Allez, direction salon de l'auto, les petits loups. Et là, pour tous ceux qui ne le savent pas, la marque Berlier. La marque Berlier qui a été rachetée par Renault, en fait, tout simplement. Donc on faisait de l'auto et du camion. Et là, c'est leurs autos. C'est une auto de 1911. Et là aussi. Celle-là, c'est une 1923. Et celle-là, c'est une 1936. Mais elle est super belle. Et c'est la Fondation Berlier, justement, qui s'occupe de les restaurer. Mais elles sont magnifiques. Allez, go. Et là, stand Merco. Et celle-là, elle est magnifique. C'est une AMG. AMG Vision, elle est super bonne. Et donc voilà les petits loups, c'est une hybride, mais elle est magnifique. Honnêtement, elle est magnifique. Et en fait, c'est une électrique, et c'est un prototype. Et l'inconvénient des prototypes, c'est vrai, c'est pas réservé à la vente. Donc imaginez un petit peu ceux qui veulent les conduire celle-là.